c'est Enzo, je bosse chez Zalando, c'est un e-commerce à Berlin. Les Français pensent qu'on vend que des chaussures, mais en fait on vend des fringues. Je préfère. Excuse-moi, il y a ma collègue qui me dit de faire ça. D'accord, Voilà. très bien. Vous avez même mon. Est-ce qu'il est là? Oui, Très bien. Et voilà, et ça fait donc à peu près 2 ans que je fais du product. Avant, je bossais dans une fintech aussi à Berlin qui s'appelle N26. Et en fait, en gros, on apportait une carte et un compte bancaire à des gens plus ou moins gratuitement. Le produit évolue aujourd'hui. Le sujet du onboarding, moi, il a commencé quand j'ai vraiment commencé à m'installer pas mal d'apps en 2007-2008, quand l'iPhone est arrivé, etc. Au début, c'était plutôt une sensibilité. Et en fait, en arrivant chez N26, je me suis rendu compte que c'était un sujet ultra important. En fait, chez N26, on avait un tiers quasiment de l'équipe produit qui était dédiée à le sign-up des utilisateurs, entre le moment où ils arrivent sur le site, vraiment au moment où ils sont utilisateurs actifs. C'est un enjeu hyper important parce qu'en fait, quand vous avez autant de barrières à l'entrée, c'est-à-dire pour ouvrir un compte en banque, on a beau vouloir rendre les choses extrêmement simples, il y a quand même énormément d'étapes, il y a des questions réglementaires. Et en fait, le coût d'acquisition sur le marché de la banque, c'est un des plus hauts de toutes les industries, quoi. C'est entre 100 et 200 euros par utilisateur. Et N26 l'avait descendu dans les quelques dizaines d'euros à l'époque. Donc c'est vraiment un sujet que je me suis rendu compte qui était central. Il pouvait permettre soit de survivre dans une industrie, en fait, où, en l'occurrence l'industrie bancaire, où on voulait innover, ou il permet au sens plus général d'apporter à l'utilisateur à votre proposition de valeur ultra rapidement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un petit framework que moi j'utilise quand je soit review l'onboarding d'app quand on me demande de faire du freelance ou quand j'en faisais à l'époque, ou quand j'arrive dans une nouvelle boîte et qu'en fait j'ai envie de voir un peu ce qui se fait. Donc le user onboarding, si je vais le définir, c'est entre le moment où vraiment l'utilisateur il vous connaît pas et le moment où il va être extrêmement satisfait. Je vais prendre dans ma présentation un onboarding au sens très large, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien un onboarding, ça peut être un utilisateur qui trouve votre appli sur l'App Store et qui l'installe et qui l'utilise. Ou alors ça peut vraiment être un mec qui voit votre site, qui sign up, c'est gratuit, puis il devient freemium, etc. Je vais prendre plutôt un produit type SaaS. Je vais essayer de rendre mobile un maximum, parce que c'est un peu le sujet aujourd'hui. Donc voilà, il y aura des exemples mobiles, il y aura des exemples plus web. Mais disons que ce que je définis comme onboarding, c'est entre le moment où vraiment. En fait, c'est toute la partie où vous avez la main, le moment où l'utilisateur va vous découvrir, donc sur votre site plutôt. Et le moment où il va être vraiment activé dans votre produit. Donc c'est un mélange de marketing et de produit. On pourra parler aussi un peu de comment on combine les équipes après. Voilà, c'est vraiment cette partie-là. On peut aller prendre, il y a plein de définitions de l'onboarding. On pourrait dire que c'est aussi bien aussi enfin, de l'acquisition marketing ou vraiment du produit pur. Moi, je vais vraiment m'arrêter sur cette partie-là. Donc, si votre compagnie est là pour changer le monde. En fait, avec un mauvais onboarding, c'est possible qu'elle change beaucoup moins que vous ne le vouliez, tout simplement parce que des gens n'iront pas au bout de votre produit et ne comprendront pas et ne l'utiliseront pas. D'une certaine manière, votre business en sera impacté et ça peut être déterminant pour des applications, pour des startups qui, dans les premiers mois, ont vraiment beaucoup enfin, qui ont vraiment, pour qui c'est vraiment important que les utilisateurs aillent taper la value proposition. Fasse un retour et en fait permettre de comprendre si déjà on est sur quelque chose. En fait, il y a plein d'applis, il y a plein de startups qui vont se créer et qui vont vraiment jamais vraiment réussir à savoir si l'utilisateur était probablement intéressé ou non par la value proposition. Je pense à l'exemple de Zenly, on en parlait il y a 2 secondes. Zenly, c'est un truc qu'on a tous essayé des applis de géolocalisation. On l'avait tous lâché à un moment et en fait, eux, ils ont vraiment fait un onboarding qui est canonissime, qui nous a tous amené à plus ou moins comprendre où était la value proposition. Et mine de rien, ils nous ont un peu refait comprendre comment en fait ce produit-là pouvait nous plaire. Donc, selon les industries, il est plus ou moins important. Il peut complètement vous faire comprendre une value proposition, ou il peut permettre à des industries comme N26, en l'occurrence, de carrément survivre. J'ai pris 2 ou 3 exemples pour vous faire croire que du coup, ce que je disais, c'était hyper important. Ça, c'est quand vous tapez onboarding rebuilt dans Google, vous allez avoir des articles de ces 5 startups un peu cool. Enfin, c'est plus des startups maintenant. Qui explique qu'en reconstruisant une partie de leur onboarding, ils ont réussi à augmenter la conversion entre des utilisateurs gratuits et payants. Donc ça, c'est à peu près, ça diffère vraiment de ce qu'ils ont retouché dans l'onboarding, mais ça peut quand même passer de 10% d'increase à peut-être doubler ou tripler votre conversion. Bon, en l'occurrence, ça veut dire pas grand-chose, mais ça faisait cool. Donc le framework que je vous propose, il est en 4 étapes. Les 2 premières étapes, elles sont avant que l'utilisateur ait sign up. C'est comment vous allez toucher l'affect de votre utilisateur et lui dire que votre produit est génial et qu'il devrait sign up.
Le deuxième, c'est vraiment toucher le rationnel. Je mets d'abord l'affect et après le rationnel, parce qu'il y a pas mal de bouquins que j'aime bien, notamment John Haidt, qui explique que souvent c'est l'affect qui passe en premier, c'est l'éléphant, et ensuite dessus, nous, on n'est jamais que le pilote de l'éléphant qui en fait va se faire un peu guider, et ensuite qui va pouvoir récupérer les manœuvres, mais qui souvent va être guidé par l'affect. Donc on va d'abord parler d'affect, ensuite rationnel. Ensuite, je vais expliquer en quoi c'est très important de dégager le chemin dans un sign-up, histoire que les gens puissent aller bien au fond de votre sign-up. Et enfin, on va avoir les premiers touchpoints avant l'activation. Et donc, c'est vraiment ça que je voulais, c'est vraiment ça les bordures pour moi de l'user onboarding, les premiers touchpoints et au moment où vous arrivez sur l'activation. Comment capturer le cœur de votre utilisateur? La première étape, on va voir quatre étapes, la value proposition, le contexte dans lequel vos utilisateurs vont voir le produit. Pourquoi il faut vous adresser aux personnes et pas, pourquoi il ne faut pas vous centrer sur vos features en premier lieu, et qu'est-ce qu'un moment et pourquoi c'est important de le comprendre et de le nominer, en fait, vraiment de le nommer, de le mettre dans votre user onboarding. Donc la première value proposition est extrêmement basique, tout le monde doit être familier avec ça. Il faut qu'elle soit précise, il faut qu'elle soit un peu inspirationnelle, mais en même temps il faut qu'elle parle. J'ai pris l'exemple de MailChimp, ils vous disent clairement construisez votre bande, votre marque et vendez des choses. Là où ils sont bons, MailChimp, je trouve, c'est quand ils vont dans le contexte. C'est-à-dire que quand vous mettez les gens dans un contexte, quand vous leur expliquez comment ils vont vivre en fait dans un contexte, c'est-à-dire que là, par exemple, il y a juste l'application et on s'imagine éventuellement sur son sofa avec l'application, on a tendance à beaucoup plus se personnaliser et beaucoup plus se projeter dans l'utilisation du produit. Et en ça, c'est une best practice en général qu'on propose. C'est pour ça que souvent sur les sites, vous voyez un jeune avec un téléphone ou vraiment quelqu'un dans une action. Ça, il y a pas mal d'études sur l'impact d'un homme qui voit, enfin d'un être humain qui voit un autre être humain, il s'identifie. Et puis il y a même des études du cerveau, etc., sur comment ça nous stimule. J'ai envie de vous parler maintenant de pourquoi, quand vous allez parler sur votre site de votre value proposition, et quand vous allez vraiment attirer l'utilisateur, pourquoi c'est important de parler plus du point B que du point A. En fait, le point A, il vous dit, ça c'est une fleur, ça a été breveté, voici la technologie fleur 3000, c'est comme ça que ça a été fait. Et le point B va vous dire, vous pouvez jeter des boulettes de feu. Donc je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, c'est quand Mario il mange une fleur, en fait, il peut lancer des boulettes de feu, c'est dans les premiers Mario. Et en fait, il y en a vraiment qui focalisent sur les features, qui disent voilà concrètement, techniquement ce que c'est, et l'autre qui dit en fait, tu peux jeter des boulettes de feu. En fait, ce qu'il faut, même si c'est peut-être un peu geek comme explication, ce qu'il faut, c'est vraiment que vous vous focussiez sur les personnes, ce qu'elles vont devenir grâce à votre produit. Il ne faut pas que vous vous focussiez sur ce qu'est la feature en soi. Donc, dans capturer le cœur des gens dans l'onboarding, focussez sur qu'est-ce qui rend les gens meilleurs et qu'est-ce que votre produit rend la personne, en fait. En quoi votre produit rend la personne. Donc ça, c'est un framework qui est hyper connu. Vous ne vendez pas la fleur, vous vendez Mario qui est ultra cool et qui envoie les boulettes de feu. Donc, vous pouvez faire cet exercice, vous dire c'est quoi aujourd'hui ma fleur, c'est quoi mon Mario, et en fait enlever tout ce qu'il y a de fleurs sur votre site, vraiment parler que du Mario. Ça, c'est des exemples de vision. Evernote, ça rend les gens mieux à se remémorer des choses. Facebook, ça rend les gens meilleurs à communiquer. Et Sketch, ça permet aux gens d'être mieux à itérer autour du design. Enfin, c'est ma version de ces trois-là. Tout ça pour dire que les visions, c'est pas forcément que des mots qui appartiennent à des fondateurs ou à des visions de long terme ou à des corporate strategies, etc. C'est vraiment des choses que vous pouvez voir en tant que marketeur produit, que vous pouvez définir ensemble et que vous pouvez vraiment écrire noir sur blanc sur les premiers points de contact de l'onboarding. Ça serait le AA moment de Mario. Donc le AA moment, c'est un peu la finalisation de la value proposition dans le contexte, se centrer sur les gens, c'est de dire voilà la personne que vous êtes et c'est ça que les gens doivent comprendre quand ils vont utiliser votre produit un peu plus loin dans l'onboarding. Si ça se passe bien, Mario il doit payer. Et il doit se presser pour payer. Mais c'est compliqué d'y arriver. Quelques exemples de AA moment, Netflix, je peux louer un film sans besoin d'aller au cinéma ou au vidéoclub. Dropbox, je peux dropper un fichier, il est disponible partout en temps réel. OnePassword, je peux avoir des passwords ultra sécurisés sans avoir besoin de me les souvenir. Ça, c'est vraiment, si vous arrivez à sortir cette essence même de votre produit, et à le noter, c'est-à-dire que déjà vous avez quelque chose qui est rare et dur, enfin est difficilement imitable, et c'est sur ça que vous allez devoir amener votre utilisateur. Et ça c'est un exercice qui est assez compliqué au final.
On a tendance à s'inventer une value proposition, on a tendance à s'inventer un moment, mais des vrais moments, ils sont assez rares, ils sont assez forts et on s'en souvient. J'aime beaucoup ce garçon, Samuel Ulick. Il explique que si le a moment il est trop loin dans votre produit, en fait, vous allez tuer votre produit. Et c'est pour ça que des produits comme Uber, par exemple, quand vous ouvrez, vous avez directement la carte avec tous les taxis. Et ensuite, quand vous cherchez un taxi et que vous voulez le prendre, ils vont vous dire, mettez votre carte de crédit, etc. La première fois. Même après, elle est enregistrée, mais la première fois, ils vous montrent d'abord le a moment. Plus vous pouvez amener tôt votre a moment dans le produit, et plus vous allez faire en sorte que les gens vont pas en fait dropper. C'est hyper dur parce que le a moment, déjà, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à l'identifier. Il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas. Et parfois, il doit être tard. Par exemple, chez N26, le a moment, c'est quand vous avez votre carte bancaire et que vous faites un retrait ou un paiement, recevoir une petite notif. Ça, c'est le premier a moment, genre comprendre que votre banque, elle est en Torrel dans votre poche. Les gens, ils adorent. Le problème, c'est que chez N26, on devait poser énormément de questions, c'était réglementaire. Et du coup, on est obligé de mettre le a moment à 2-3 jours. Les gens, ils doivent finir le sign-up, ils doivent faire un KYC, donc on prenait un portable, on les appelait et on finissait le truc. Ça prenait en moyenne 10 ou 15 minutes. Ensuite, ils devaient commander leur carte, ils devaient faire un virement SEPA pour mettre de l'argent sur leur compte. Et ensuite, ils faisaient une transaction et là, ils avaient le a moment. Donc là, tu as un moment de 2-3 jours, voire 5-6 jours, et tu perds une quantité immense de personnes. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait qu'ils étaient ultra smart, c'est qu'en fait, ils ont mis un a moment dans le sign-up. C'est-à-dire que les gens qui se sont inscrits à N26, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, non, oui, souvent ils vous parlent du sign-up. Souvent ils vous disent, est-ce que c'est un truc que tu as fait par exemple? Ouais, c'est génial, j'ai fait ce phone call, la personne était en face, j'ai adoré, j'ai reçu la carte en 3 jours. C'est un truc que les gens racontent, quoi. Il y a vraiment un aha moment dans le sign-up. Donc chez N26, on faisait une customer journée, on prenait en abscis le temps, en ordonnée, on mettait genre la satisfaction des utilisateurs. Et on mettait quand ils étaient contents, pas contents. Donc quand ils n'étaient pas contents, c'est souvent à 2 mois, ils se rendent compte qu'ils ont peut-être 1 euro de fees et ils ne sont pas contents. À 1 semaine, ils sont ultra contents parce qu'ils viennent de faire le sign-up, ils ont adoré, etc. Donc en fait, on a vraiment mis les a moment. Donc vous pouvez voir le a moment comme un truc à mettre très tôt dans votre onboarding, soit vous pouvez quasiment le dédoubler ou le tripler si votre produit le permet. Donc c'est bien de penser en dehors de la boîte. De manière alternative, pour tout cet affect, il y a les vidéos, c'est hyper connu, elles sont courtes, elles sont narratives. Là où c'est très fort, c'est que vraiment, elles permettent aux gens de mettre leur cerveau sur off. Quand ils arrivent sur votre site, qu'ils ont scrollé, qu'ils ont lu toutes vos icônes, les 3 icônes, les 3 value propositions, le témoignage, le truc enfin, qu'on fait tous. Quand il y a la vidéo, c'est le moment où vraiment, ils se remettent en arrière, ils regardent, ils écoutent et ils prennent en fait de la valeur sur un aspect de narration qui est très puissant. Le problème, c'est qu'une fois que vous l'avez sorti, la vidéo, elle n'est pas du tout adaptable. Et ça peut coûter très cher. Des mecs que j'adore s'appellent Sandwich Video. Vous connaissez sûrement leurs vidéos, peut-être pas leur nom, mais en gros, c'est les mecs qui ont fait la vidéo de Robin Hood et ils font tout en ce moment. Ils font Slack, etc. Et ces mecs-là, ils arrivent à générer 1 million de sign-up avant le launch parfois. Là, ils ont fait plus d'1 million de sign-up. C'est-à-dire que le jour où Robin Hood a lancé, ils avaient une mailing list qualifiée de 1 million d'utilisateurs. Donc, autant vous dire que le business, il roulait déjà quasiment. Je crois que le produit est un peu déçu après coup, mais à la limite, ça, on s'en fiche. Un truc hyper important, je vois beaucoup de gens dans mon entourage et j'étais aussi fondateur de start-up. Quand vous lancez des start-up, quand on lance, on a tendance à vouloir faire une vidéo parce que c'est hyper beau, parce que ça rassure, parce qu'on a un pote qui est monteur, qui est vidéaste, etc. Mais la vidéo, elle permet pas de valider votre besoin de produit. Donc sur le onboarding, foncez pas sur de la vidéo, c'est mon conseil, foncez pas sur de la vidéo si vous n'avez pas réussi à prouver votre value proposition, etc. Si vous n'avez pas suffisamment itéré, etc. Parce que c'est des moments où vous allez figer, c'est des moments qui vont coûter cher, c'est des moments qui vont prendre du temps. Par exemple, N26, la semaine dernière, il y a un mois, ont fait leur premier spot télé et ils ont attendu 3 ans avant de le faire. Et toute la boîte est partie sur le plateau de télé pour vraiment faire le truc, etc. Et maintenant, elle est partie et enfin, ils me disent tous qu'ils sont un peu déçus parce que ce n'est pas parfaitement comme ils voulaient, etc. Donc même après des années, c'est compliqué. Je pense que Vidressing, il y a des pubs chez Vidressing maintenant, oui, ça fait longtemps même. Oui, non, il n'y en a pas eu. Ok. Donc voilà, donc même des boîtes très établies comme Vidressing se sont même pas encore lancées sur ça. Dernier petit conseil, c'est cool de benchmarker, mais si vous allez voir des pages comme Facebook, Twitter, et que vous voyez ce qu'ils font et que vous dites que vous allez faire la même chose, en fait, il ne faut pas oublier qu'eux, ils ne jouent pas le même jeu que vous. Eux, tout le monde les connaît. Ils n'ont pas besoin de rappeler ce que c'est la value proposition, ils n'ont pas besoin de rappeler ce que c'est le contexte, ils n'ont pas besoin de montrer que Mario il jette des boules de feu, ils n'ont pas besoin de faire la vidéo, etc. Donc ces gens-là, c'est bien de benchmarker, c'est bien de voir où ils sont, mais par contre, ce qui est beaucoup mieux, c'est de voir où ils étaient. Vous pouvez aller sur web.archive.org,
C'est un site où il y a tout le web qui est caché, qui est sauvegardé. Vous pouvez mettre Facebook 2008, quand ça s'est lancé. Et là, vous allez voir la première landing page de Facebook et vous allez comprendre qu'eux jouaient le jeu que je vous raconte par contre à l'époque. Donc, maintenant qu'on a capturé le cœur de nos utilisateurs, on va s'adresser à leur rationnel. Pour commencer avec le rationnel, on va lister vos propositions de valeur. On va appeler ça des qualités. Donc, il y a celles que vous avez en commun avec, d'autres compagnies. Il y a celles qui vous rendent unique. Et il y a en fait le reste. Le reste, c'est hyper important parce que security and speed et design, par exemple, chez N26, c'était les trois valeurs principales. Et on ne voudrait pas les mettre en haut. On se dit, bon, c'est peut-être des trucs que tout le monde a. Et en fait, non, l'innovation par le design, l'innovation par la rapidité, tout ça, c'est des trucs où il y a des startups qui sont arrivées là-dessus, qui ont vraiment innové, qui ont changé le jeu, quoi. Donc, n'hésitez pas à lister ce genre de value proposition. Ensuite, on va les communiquer de quatre manières. Ultra classique, des témoignages, des approvals, donc des tampons, disons. On va utiliser le pouvoir des chiffres, qui est assez connu, et on va partager les succès. Les témoignages, hyper simple, je vais passer dessus rapidement. Ça, c'est Intercom. Eux, ils en ont fait carrément une page. Donc, il y a intercom.com/témoignage, par exemple. Et dessus, ils ont une catégorie entière de témoignages. Donc, ils ont leveragé vraiment le témoignage à fond. Donc, les trucs principaux, le nom, le poste, etc., pour bien montrer la crédibilité de la personne qui bag votre produit. Dans les approvals, pendant longtemps, il y avait montrer que votre site était encrypté SSL, des choses comme ça. Maintenant, il y a d'autres. Le jeu, je trouve qu'il a un peu changé. Maintenant, ça fait très bien de montrer qu'on a de la presse. Ça, c'est Lydia, par exemple. Ils montrent qu'ils ont de la presse, ils montrent que les gens les adorent, ils montrent qu'ils ont été featurés. Bref. Ils font un truc ultra bien aussi, Lydia. Je les aime beaucoup. Ils font un compteur d'utilisateurs, qui est un faux compteur. Hein. Si vous rafraîchissez la page, ça revient au même truc. Mais en gros, ils vous disent, regardez tous les gens qu'il y a chez nous, et puis c'est un symbole de sécurité, quoi. C'est vraiment, ça se passe bien, regardez tous les gens avec qui vous allez pouvoir aussi échanger de l'argent, etc. Donc, montrez vos chiffres. Il y a les compteurs des réseaux sociaux qui sont très connus, mais il y a aussi des trucs plus marrants, quoi. Ça peut être par exemple voire un faux compteur. C'est ce que font tout simplement les restos lorsque vous arrivez, que vous êtes les premiers clients, ils vous mettent en vitrine. Les gens se disent, s'il y a des gens dans ce resto, c'est que c'est bon, c'est que je vais pas être malade, etc. Donc c'est un truc aussi qui date d'il y a longtemps. Et je sais pas si vous vous rappelez des compteurs HTML à l'époque, il y a très longtemps sur internet, ou quand vous arriviez, ça venait un petit compteur à la base. Ok, bon, ça c'est l'ancêtre. Ça c'est l'ancêtre de l'approval des chiffres, nouvelle génération avec du réseau social, etc. Ça, c'est pour moi, c'est ce qu'il y a plus fort. C'est si vous arrivez à avoir les trois, les testimonials, les empreintes et les chiffres, vous pouvez vraiment partager le succès. Ça, c'est Slack. Slack, il vous montre la personne que vous êtes, meilleur. Donc, c'est le Mario, mais rationnel. C'est récupérer votre jour de travail. Donc, c'est ultra fort. Et derrière, ils vous donnent un chiffre, ils vous disent que vous diminuez quasiment deux vos emails. Ça, comme value proposition, et en termes de succès, parce qu'en fait, j'ai pas pris tout l'écran, mais en dessous, il y a des témoignages, c'est extrêmement fort, quoi. C'est extrêmement précis, extrêmement rationnel, extrêmement fort. C'est-à-dire que là, si Slack n'existait pas aujourd'hui, probablement que je me dirais que si je peux réduire par deux mes mails, peut-être que j'essaierai quand même, quoi. Maintenant, on va libérer le terrain. Donc là, vous avez convaincu le rationnel et l'affectif de votre utilisateur, disons qu'il vous a donné une chance, il commence à arriver dans votre sign-up, maintenant il faut vraiment le libérer, il faut que lui aille sur l'éléphant, donc l'éléphant c'était l'affectif et lui le rationnel, il faut qu'il puisse quand même trouver son chemin tout simplement. Donc là il y a deux parties que je trouve importantes dans le début du sign-up, c'est enlever les frictions qui vont ralentir les gens et les empêcher en fait, de partir de votre sign-up. Enlever les frictions, c'est vous dire est-ce que j'ai vraiment besoin du numéro de téléphone de cette personne, est-ce que j'ai vraiment besoin que la personne confirme son email, est-ce que j'ai vraiment besoin d'un CAPTCHA. CAPTCHA, j'en vois encore énormément. Il y a une étude de Moz, vous pouvez aller voir, où ils ont fait pendant deux mois une analyse comparative de en mettant le CAPTCHA ou non. Le CAPTCHA, c'est pour éviter d'avoir des spams. Ils se sont dit bon, qu'est-ce qui se passe, combien de spams on a si on enlève ce truc et combien de gens n'arrivent pas à gérer un CAPTCHA ou alors ça les fait chier de voir un CAPTCHA et ils partent. Et en fait, ils se sont rendu compte qu'ils étaient vachement perdants au change, quoi, de quasiment 20%, un truc comme ça. Donc, selon votre type de produit, si vous n'êtes pas en train vraiment de mourir sous les spams, probablement que si vous avez des leads suffisamment qualifiés, que vous êtes un truc comme Moz qui tourne beaucoup autour du content marketing, qui arrive à avoir des leads suffisamment qualifiés, etc.,
probablement que le CAPTCHA, il n'est pas nécessaire pour vous. Donc, c'est des choses auxquelles il faut réfléchir, il faut essayer de les enlever un maximum. Et en fait, less is more, quoi. C'est très dur d'enlever les choses. C'est ce que je viens de vous dire. Chez Anthony Six, ils font un truc aussi bien, c'est considérer que couper les étapes en plein de petites étapes, ça peut donner l'impression qu'en fait, votre sign-up, il est moins long. Chez Anthony Six, quand on comparait un sign-up en une page et un sign-up en multi-étapes, les gens, ils mettent plus de temps à le faire quand ils sont en plusieurs étapes. En revanche, à la fin, quand on leur demande lequel tu as eu l'impression que tu étais le plus rapide, ils nous ont tous dit quasiment qu'ils avaient l'impression que celui-là était plus rapide. Donc, bosser sur l'impression, bosser sur le feeling qu'ont les gens. Parfois, vous allez faire des trucs plus longs, en fait, le feeling est moins. Là, c'est un truc qu'on avait testé pendant 2 mois. On avait fait 15 écrans. On posait plein de questions, nom, prénom, adresse mail, etc. Et on les a mis dans tous les sens et on s'est amusé à voir toutes les conversions. Et en fait, on s'est rendu compte que si tu demandes l'adresse email en première question, les gens, ils dropent énormément parce que mettre un at, juste un at, ça les désespère. Alors que si tu dis comment tu t'appelles et t'as quel âge, les gens, ils sont trop contents de te dire quel âge ils ont, quoi. Ou même leur sexe. Donc l'ordre des choses, les couper en petits morceaux, essayer d'itérer, les tourner de sens, ça peut vraiment apporter énormément d'amélioration de la conversion à ce niveau-là. Empêcher les utilisateurs de drift away, ça, c'est un sujet qui est actuellement en étude chez Zal. Chez Zalando, en fait, le coupon, c'est top parce qu'on se dit c'est trop bien, les gens ils vont les fidéliser, ils ont vu le coupon, ou alors ils viennent chez nous parce qu'ils ont un coupon, etc. Donc on met un énorme champ de coupons. Sauf qu'en fait, il y a plein de gens qui arrivent, qui voient le coupon et qui se disent putain, mais moi j'en ai pas, et qui sont ultra déçus de pas avoir un coupon. Et si vous saviez le nombre de gens qui vont ouvrir une fenêtre pour mettre coupon Zalando à ce moment-là, mais tapez coupon vide dressing sur Google, regardez le nombre de résultats indexés. Vous allez halluciner, quoi. Genre, c'est un truc de malade. Donc, est-ce qu'il faut le mettre en gros parce qu'en fait, on est hyper content que les gens aient un coupon, ou est-ce que finalement, il ne faut pas un peu le cacher, quoi. Donc, ça, c'est des vraies problématiques sur lesquelles vous pouvez bosser. Pareil, du A/B testing vous permettra de savoir ce qu'il en est. Ça, c'est un grand classique maintenant. Pourquoi demander aux gens de confirmer leur email avant de les laisser rentrer dans l'application? Pourquoi? Pour consolider la base de données. Enfin, ça, ce n'est pas des bonnes excuses, quoi. Si on vous dit un jour, il faut le mail pour la base de données, ça, c'est vraiment. J'aurais dû demander d'ailleurs qui était en product, qui était en dev, qui était. Parce que du coup, je vais lancer des petites batailles, mais la raison, genre, on a besoin d'adresse email pour pas que la base de données casse, ça devrait pas être une réponse. Quoi. Il faut trouver un détour, il faut trouver comment on fait ça. Mais si la meilleure chose pour l'utilisateur, c'est d'aller dans l'application sans l'email validé, alors il faut y réfléchir. Là, en l'occurrence, maintenant, il y a quasiment toutes les applis web du top du panier vous font rentrer dans l'appli sans avoir à valider. Je pense que Facebook me demande depuis 4 ans de valider mon email, par exemple. Je ne sais pas si vous êtes inscrit avec votre adresse Hotmail ou votre vieille adresse que vous n'utilisez plus. Ils continuent à vous écrire, vous n'avez jamais validé et Facebook ne vous a jamais enlevé. Bon, ça, c'est un exemple. Donc maintenant qu'on a vraiment nettoyé ce sign-up, on arrive dans le produit et on arrive dans les premiers touchpoints. Et ils sont assez importants aussi parce que c'est eux qui vous amènent vers l'activation. L'activation, je pense que vous êtes, la plupart d'entre vous sont familiers. C'est quoi les actions à prendre pour que votre utilisateur devienne un utilisateur actif, donc avec une rétention que vous pouvez ensuite définir. Moi, j'ai défini 4 étapes que je trouve cool. La première impression, faut vraiment déchirer sur la première impression. C'est hyper cool si vous pouvez faire en sorte que votre produit soit consommable à un endroit et un lieu. C'est ce qu'Anthony Six fait, c'est-à-dire qu'à un lieu, vous pouvez faire votre phone call, vous avez fini, vous attendez que votre carte arrive. Vous n'avez pas besoin d'aller dans une agence, récupérer un papier, revenir, refaire une signature, refaxer un papier, etc. quoi. Il y a vraiment cette expérience depuis un site. Enlever des steps, ça c'est un classique. Et on va parler du tour, donc je suis pas très fan. Donc vraiment, quand vous montrez comment le produit s'utilise, je suis pas très fan, mais c'est encore une fois, c'est un truc qui marche pas mal. Donc la première impression, hyper important, il faut vraiment que ça termine avec la valeur que donne votre app. Et il faut que ça soit un premier sommet, quoi. Vraiment un premier kiff pour l'utilisateur. Ça c'est Buffer. Buffer, ce qu'ils font, c'est quand vous inscrivez, le premier truc qu'ils font, c'est vous demander de login à un réseau social. C'est top parce que ça va pile poil dans la direction de leur outil. Leur outil, c'est de programmer des posts avec sur les réseaux sociaux. Et quand vous faites ça, c'est hyper intuitif. En 2 clics, vous avez votre dashboard qui arrive. Vous comprenez déjà comment vous pouvez programmer, etc. Donc eux, ils vous donnent le premier clic que vous faites chez eux. Là, il faut 2 clics. Il faut connect Facebook, tu as un pop-up et tu as un 2e clic. En 2 clics, ils t'ont quasiment amené à un premier succès chez eux. Ça, c'est assez fort. Vimeo, donc là, c'est sur le one seat. Vimeo, quand vous avez fini d'uploader la première vidéo, ils vous disent if you have other things to do besides stare at this screen, you can leave this page and we'll email you. Ils vous disent clairement, genre, reste pas 2 heures ici. Ils essaient de te rendre l'expérience du one seat sympa.
En l'occurrence, ils disent quand même de partir. C'est un assez mauvais exemple que j'ai pris. Mais il y a un peu cette idée de si tu veux regarder le compteur pendant 24 minutes, tu peux aussi le regarder. Et c'est pas mal, voilà, de réfléchir comme ça à des moyens de rendre l'expérience complète en un lieu et un temps. Je trouve que c'est un truc qui est assez important, surtout nous qui sommes très pressés. Couper les étapes, ça, Google, c'est vraiment les maîtres. Si vous prenez un Google Doc, normalement, il faudrait 5 étapes. Il faudrait créer, j'ai dit survey, mince. Il faudrait créer un doc, le nommer, le sauvegarder, le copier et envoyer un lien à votre ami. Ce qu'ils ont fait, Google, c'est, en fait, il n'y a pas besoin de le nommer. Il s'appelle Untitled Document. Et si vous mettez un mot, le premier mot que vous allez mettre dans le document, ça va être le nom du document à la base. Vous pouvez le changer, mais au moins, ils vous l'ont créé. Hop, une étape qui saute. Il faut le sauvegarder. En fait, non, il y a une sauvegarde automatique. Ça sert à quoi de le sauvegarder? Vous avez un drive, vous savez où il est. Bon, voilà, ils ont enlevé 2 étapes. Il faut le copier. En fait, non. Si vous mettez Share, le lien, il est copié dans le clipboard automatiquement. Donc, si on fait Google, c'est qu'ils sont passés de 5 étapes à 2 pour exactement la même chose. Ils ne vous ont pas enlevé de pouvoir, etc. Bon, ça, on est dans les premiers touchpoints, la première fois que vous créez un produit, un Google Doc, et ils vous ont amené à la value proposition, à savoir de partager ce lien, donc d'avoir un outil collaboratif de communication, ultra rapidement, quoi. Et Google, ils le font avec tous leurs produits. Ouvrez YouTube, etc. Vous verrez, les 3/4 des trucs sont automatisés, c'est assez hallucinant. Enfin, je vais terminer sur le Product Tour. Moi, je pense qu'il pose plus de problèmes souvent qu'il apporte de réponses. Parfois, c'est bien d'en faire. Parfois, ça ne l'est pas. Je pense que c'est important de le faire quand vous avez des questions à poser, que vous devez vraiment les poser. Netflix, ils ont une bonne raison de poser des questions. C'est ils veulent vraiment savoir qui est derrière le compte, parce qu'en fait, vous pouvez faire du multi-compte. Vous pouvez partager avec votre copine ou avec un pote. Ça, c'est autorisé sur Netflix. Ils ne veulent pas vous mettre ça au début du sign-up parce qu'ils savent que ça va faire descendre le sign-up. Par contre, c'est vraiment quelque chose qu'ils ont besoin de savoir. Challenge 26, on avait besoin de tout vous poser comme question. Sinon, on ne peut pas, auprès des régulateurs, ouvrir votre compte bancaire. On n'a pas le droit. Donc, eux, ce n'est pas du tout les mêmes obligations légales. Ils peuvent se faire plaisir, ils les mettent après. Sinon, encore une fois, je pense que c'est un problème. Si vous n'arrivez pas à expliquer ce qu'est votre produit sans un tour, donc sans la petite vignette qui dit voilà, appuyez sur ce bouton, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, c'est que probablement vous n'avez pas été assez acerbe sur la value proposition, sur le design, centré autour d'une key feature, etc. Comment les créer? Donc là, j'ai mis l'exemple de Optimizely. Si vous devez vraiment en faire un, faites-le interactif, quoi. Faites en sorte que les gens prennent des actions, qu'ils le fassent, qu'ils apprennent quelque chose. Parce qu'en plus, quand on fait quelque chose, on le retient beaucoup mieux, quoi. Là où les gens le font encore mieux, c'est quand vous faites des quests. Donc, c'est le genre de gamification que fait LinkedIn. LinkedIn va vous dire « uploadez votre photo de profil ». Il n'y a pas genre une flèche qui vous dit « elle est là ». Ils vous disent « updatez votre photo de profil ». Vous arrivez sur votre profil et vous comprenez que votre photo de profil est en haut et vous le faites. En fait, quand vous le faites vous-même, vous retenez beaucoup mieux. Et là, peut-être après 5-10 ans d'utilisation de LinkedIn, vous savez comment changer une photo. Et bien, mine de rien, ça a été vachement impacté par la première fois où LinkedIn vous a dit « changez votre photo ici, comme ça ». Donc ça, c'est vraiment pour moi la manière optimale. Comment le faire ensuite? Il y a énormément de discussions. J'aime beaucoup la manière de Cora qui vous montre en arrière-plan ce que va être le produit. Donc vraiment, il vous laisse deviner ce que vous allez avoir dès que vous allez finir. Donc c'est assez excitant au final quand on connaît Cora. Et enfin, tout ça, il faut que ça soit orienté vers l'activation, la définition de votre activation. Donc j'ai pris l'exemple de Twitter. Twitter, ils se sont un peu cassés les dents. Ils ont fait en sorte que les gens fassent du search, que les gens tweetent. Et en fait, ils se sont compris à un moment que les gens, ils avaient tous des gens à suivre sur Twitter. On a tous des gens qu'on connaît. Et en fait, si tu demandes d'abord aux gens de suivre des gens sur Twitter, ils ont beaucoup plus de chances de rester que si tu leur avais d'abord demandé de faire 5 tweets ou 5 recherches. Donc eux, Twitter, ils ont défini très précisément, en tout cas à l'époque, je ne sais pas si c'est encore d'actualité, 30 followers. À partir de 30 followers, ils considèrent qu'un utilisateur a énormément de chances d'être actif sur leur plateforme, de revenir et de tweeter ou d'interagir avec les tweets. Donc là, ça veut dire que concrètement, les 4 points que j'ai pris avant, la première impression, le one seat, les cut steps, il faut qu'ils soient orientés vers ces 30 follow, quoi. Donc c'est en mode, il vont vous faire une connexion avec Facebook ou avec vos emails pour voir qui vous pouvez connaître. La première impression, ça va peut-être un pop-up qui va vous dire, voici 200 personnes que vous connaissez sur Twitter. Je ne sais pas si c'est ça ce qu'ils ont, mais en gros, ils vont essayer d'orienter un peu cet onboarding vers cette activation, parce que c'est ça qui va être très important pour eux, quoi. Enfin, et ça c'est propre à n'importe quel sujet, je pense, de product peu importe les sujets qu'on aura abordé aujourd'hui, essayez d'identifier ce qui ne marche pas, sortez ces versions améliorées, voyez comment ça améliore,
Il faut que ça améliore le produit de manière générale. Il ne faut pas juste que ça améliore cette partie de l'onboarding. Si ça améliore au début de l'onboarding, mais vous faites des fausses promesses et que derrière les gens ne reviennent pas, ça pose un problème. Donc regardez vraiment la santé complète du produit. Il y a des manières de mesurer où est-ce que le user onboarding se perd. Ça, c'est trois outils qui sont vraiment bien, mais pour le desktop. Je ne sais pas s'ils ont des SDK mobiles encore. Mais en fait, ces trois outils, vous pouvez les intégrer à tous les niveaux de votre sign-up si vous êtes mobile. Ça peut être aussi bien sur les landing pages qu'au début du sign-up, que dans le produit. C'est très facile à intégrer. Et ça vous permet vraiment de demander à n'importe quel moment à l'utilisateur est-ce que vous êtes satisfait, oui, non, etc. Et ensuite, avoir une limite, une petite matrice, voir à quel moment ça ne marche pas pour l'utilisateur et en fonction de ça, construire. Voilà. Félicitations. Si vous avez suivi ce framework ou si vous avez des meilleures idées, vous aurez probablement amélioré votre user onboarding. Je rappelle les quatre étapes. Vraiment connecter avec l'affect de votre utilisateur, persuader sa logique, libérer un maximum de chemin avant le sign-up et ensuite aligner vos premiers touchpoints sur l'activation. Ça, c'est trois bouquins que je recommande sur le sujet. Donc Samuel, Ulrich, Intercom et il y avait Rosenfeld sur Build Better Product. Ils sont vraiment bien, voilà. Merci beaucoup. Thank you.